Toi, je me rappelle, quand puis dans ton livre, t'en parlais que quand t'as vu... Puis là, c'est weird. C'est comme si j'ai une recherchiste à cette heure, vu que j'ai lu un livre. C'est vrai que les deux questions que t'as posées sur son livre, c'est juste son livre. Ça finit bien la semaine, ils ont eu les mêmes questions. Mais il y avait... Dans ton livre, tu parlais, quand t'as vu Delirious d'Eddie Murphy, oui, que tu t'es dit, « Asti, je vais devenir l'humoriste sexy du Québec. » Ouais, ouais. Puis Pepper t'a remplacé. Je sais. Parce que lui, c'est quand il a vu Barry White. Non, mais... Pep, là... Quand est-ce que je suis devenu l'humoriste sexy du Québec? Il y en a à chaque fois, parce qu'il y a vrai, des gars qui le jouent sexy. Le cul. Mais tu non, mais dans le sens... Le dans le cul. Ah ouais, tu sens le cul. Non, mais tu sens bon. Tantôt, je t'ai croisé en coulisses, j'étais... Tabarouette, je sais pas ce que tu mets. Du parfum? Ouais, mais lequel? Non, ça, je dis pas mes petits secrets. Ah, mais... c'est ça. Non, c'est mes petits affaires. C'est un mélange d'origan. C'est une chaudière de marde avec la mélasse. Mais c'est vrai, tu pognes beaucoup avec les femmes. Ben oui. C'est vraiment faux. C'est vraiment faux. C'est quelque chose que toi, t'as parti. Fait que c'est moi puis mes astidieux qui mentent. Ouais. Fait que moi, quand je vois des filles flirter avec toi, c'est moi qui imagine des affaires. Non, c'est parce que je suis comme le gars accessible. T'es le gars accessible. Oui, là, on a déjà eu cette discussion-là. Je suis le gars accessible. Les gens, ils ont moins peur du refus avec un chubby frisé qu'avec des gens qui ont plus de... Fini ton malaise. Ah ouais, vas-y, go. Ça me tente pas de parler de ça. Mais... Ça me tente pas. Parle de ma mère. Assustes-tu bien? Parle de ma mère. Assustes-tu bien? Wow. Mais c'est vrai que tu sens bon. Si on peut pas t'enlever ça, là. Pourquoi, par exemple, ça te gêne d'avoir du succès avec des femmes? Ouais. Non, il s'agit pas de succès avec les... C'est pas ça, ben, ça OK. Arrête fait de niaiser. Non, mais... Fait que à chaque fois qu'une fille te suce, c'est parce que tu es accessible. Elle est comme, oh, yeah, c'est le pénis le plus proche. C'est une question d'accessibilité. Oui, c'est possible. Fait que toi, la seule raison... Combien de femmes te couchais avec parce que t'étais pas... Ça arrive-tu des fois que t'es pas accessible puis une fille te... Aujourd'hui, là, combien de filles te couchais avec aujourd'hui? As-tu fait l'amour aujourd'hui? Non, j'ai pas fait l'amour aujourd'hui. Non? Non. Hier? Mais l'affaire, c'est que... Yeah, et t'es célibataire. Cette semaine, combien toi, de femmes... Toi, c'est sûr t'as fait l'amour aujourd'hui. Regarde, il joue rouge. Ben oui. Moi aussi. Non, mais il est joue rouge parce que... Ah, tu sais que c'est les trois gars qui se disent quand ils ont, la dernière fois qu'ils ont fourré, là. C'est tellement 95. Moi, j'ai ri. Ben non, mais c'est pas laid, là. Tout le monde peut lever la main s'il a envie de... Moi, j'ai juste ri. Moi, j'ai rien dit. Non, mais c'est drôle. J'ai pas fait ça tout seul, là. Ah! Non, mais je parle... OK, tout seul, ça comptait pas, là. Non, ça compte pas. Tout seul, ça comptait pas. Ça compte pas. Mais, ben, moins que t'as vraiment passé un bon moment. On dirait qu'on était trois, là, mais être bien honnête avec vous autres. Mais ça te gêne vraiment d'avoir du succès avec les femmes. Non, j'ai pas de succès avec les femmes, c'est pas ça. T'as pas de succès. T'as que échec après échec qui finit avec des orgasmes. T'es chaud. Non, c'est que ça me tend. C'est qu'il y a eu là ce petit podcast à Québec là, avec Jonka complètement défoncé. Là, ouais. Qui m'a fait passer pour un asti tout croche. T'étais défoncé, moi j'étais un peu feeling. Moi j'étais pas là. Non, t'étais pas là? Puis il l'a pas vu, fait qu'il faut que tu y redises. Non. Comment ça? Non, non, mais elle a beaucoup parlé de ma vie de célibataire, ça m'a gossé. Puis après ça, c'est que. Moi, j'aime pas ça parler de mes affaires, de ma vie. Ça me gosse. Les gens, ils se font une image, puis après ça, de ça... De ta sexualité. Non, mais si, j'ai de... à l'aise avec ma sexualité, ça me tente juste pas de... Moi, j'imagine dans ton sous-sol, t'as un sex swing. J'ai pas de sous-sol, mais j'ai un sex swing. Sauf que quand tu rentres chez nous, il y a pas de divan, là. il est dehors, sur le terrain. Un sex swing, sur le terrain. Si m'intéresse, il y a le barbecue, puis le sex swing. Si je t'invite pour un, je t'invite pour l'autre. Un abri tempo. Un sex swing extérieur. T'as 4 saisons. Il y a une chaufferette, un tempo, puis un sex swing. Tabarnak, c'est des beaux jeudis, là. Wow.